Ah non, excusez-moi, c'est fermé, on est fermé. Ah, c'est toi. Oui, bah écoute, viens. Ok, bon bah écoute, assieds-toi là. Qu'est-ce qui t'amène? T'as l'air de bonne humeur. Enfin, t'as l'air bizarre. Parce qu'on est fermé, de toute façon. Tu me laisses aller fermer la porte. Je vais fermer la porte et puis je reviens et puis on boit un verre toutes les deux. Tu vas me raconter ce qui se passe, t'as l'air tellement étrange. Bon, je reviens, je vais fermer la porte. Quoi? Il y a quelqu'un que tu veux faire rentrer? Quelqu'un que tu veux faire rentrer? Quelqu'un qui t'attend dehors, c'est ça? Ah ok. C'est qui? Un homme. Et pourquoi tu l'as laissé dehors? Ah, tu savais pas si j'allais. Oui, ben il y a pas de souci. Si on fait pas trop de bruit, ça va aller. Tant qu'on reste discret. Et donc, c'est qui cet homme? Tu l'aimes bien? Il t'intimide. Vas-y, fais-le rentrer. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Moi, c'est Muriel. Ok. Valérie depuis Ah, vous êtes collègue de travail, c'est ça? D'accord. Ok. Et donc là vous avez décidé de sortir boire un verre. Bah, vous avez raison, après le travail hein. Ça fait du bien. Un peu discret parce que je voudrais pas avoir d'histoire avec mon patron. Donc voilà. Qu'est-ce que vous désirez boire? Donc toi, toi je te connais, je sais qu'il te faut quelque chose avec du rhum. Et vous? Enfin vous, tu, je sais pas si on se tutoie. Oui, on va se tutoyer, c'est plus sympa. Ok. Un verre de vin rouge? Y a pas de souci, j'ai ce qu'il te faut. J'ai un bon petit Juliana, si tu vas aimer. D'accord, super. Bah, écoute, je t'accompagnerai après. Moi, je vais me prendre d'abord un petit verre de Perrier. Alors, attends. Donc ça sera. Un peu. Bah oui, c'est vrai qu'il fait froid, c'est pas tip top en hiver, mais bon, ça fait du bien aussi de s'aérer un peu. Bah oui, pas toujours rester enfermé, c'est vrai que malgré que ce soit l'hiver, on a quand même envie de.
intérêt de bien se couvrir, rester au chaud. Ça fait du bien, c'est beau, les paysages enneigés, je trouve. C'est un bruit que j'adore. Oui, bah écoute, ça c'est... comment dire ? Oui, du coup, on met tous nos bouchons. Tous nos bouchons là-dedans. Manger une pizza après. Ouais, bah c'est sympa. Alors écoute, Valérie, je vais te faire une. J'ai un nouveau petit rhum arrangé là. J'ai fait de ma spécialité. J'ai mis plein d'herbes, plein d'épices à l'intérieur. Ça fait un moment que ça m'assert. C'est pour ça qu'il y en a presque plus parce que les clients adorent. Donc j'en sers pas mal. Et bah, tu m'en diras des nouvelles. Je vais te rajouter. Toilette. Donc il te plaît. Oui. Bah alors, qu'est-ce que t'attends?
En plus, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, eh ben, je trouve qu'il te dévore des yeux. Aussi timide que toi. Oui, remarque, c'est vrai. En tout cas, il a l'air super gentil. Il a un charisme et une voix. Il a une voix. Tu sais que je suis très sensible à la voix, moi, des hommes. Donc, oui, bah, tu vois. Et lui, il a vraiment une voix magnifique. Vas-y. Donc je te disais, ouais, je rajoute toujours une petite dose de sucre de canne pour adoucir un peu. Bah oui, bien sûr. Ok. Et donc, c'est quoi déjà ton prénom? Je me souviens plus. Lucas. Ok, Lucas. Donc vous faites le même travail. Vous êtes dans le même service? D'accord. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Ah, quelques semaines seulement. Oui, donc en fait, vous connaissez pas plus que ça. Ah, d'accord. Eh ben, oui, vous avez raison. Boire un verre, c'est l'occasion de faire connaissance. Amour, hein. Ah bon, pardon, mais non, je plaisante, tu vois ce que je voulais dire en plus. Un autre nouvelle rencontre, voilà, c'est ça que je voulais dire, surtout. Et sinon, c'est quoi tes hobbies dans la vie? C'est vrai? Bah ça c'est marrant parce que Valérie aussi. Eh ben, ça vous fait un point commun. Un plus. Bah oui, parce que vous en avez déjà. Bah vous aimez bien aller boire un verre après le travail. Ça vous fait un point commun déjà. C'est ce que je voulais dire. Bon. Oui, pas de soucis. Tu peux t'isoler au fond, t'inquiète, on t'entendra pas. Bon, écoute, il va falloir que tu te décides là parce que vraiment, il est franchement charmant et là. Il faut pas que tu passes à côté. Mais oui, je te promets. Je ne peux pas faire trop de mélange, mais...
C'était le travail. D'accord. Et sinon, Lucas, tu as des enfants? Un enfant. D'accord. Ah. Donc, petite fille de famille. Ah, t'es divorcée. Ah, d'accord. Divorcée avec un enfant. Ok, quel âge il a? 10 ans. Oui. Ça fait 5 ans que t'es divorcée. D'accord. Oui. Et t'arrives pas à retrouver quelqu'un? Ben oui, forcément. Ben c'est ça. Ben oui. T'es pas toujours tombée sur les bonnes personnes et... Pourtant, ça existe les bonnes personnes, hein. Oui. Bah, sinon, donc, ton hobby, c'est quoi déjà, tu m'as dit? Oui. Eh ben, ça tombe bien parce que, écoute, Valérie, ça lui arrive aussi tous les dimanches matin. Elle va courir au parc, là, tu sais, parc de Rouen. Ouais. Bah, peut-être qu'un jour, vous vous croiserez, qui sait? Bah oui, il vaut mieux courir avec quelqu'un que tout seul. C'est plus marrant, quoi. Vous allez vous motiver entre vous, tout ça. Ça va être plus sympa. Ah oui. Bon. Ah, bah décidément, t'es très demandé. Oui, non, il n'y a pas épais. C'est bien qu'ils soient ambitieux, mais faut pas qu'ils le soient trop non plus, parce que si vous vous mettez ensemble et qu'il est tout le temps au boulot, c'est pas marrant. Bah oui. Bah après, faut pas qu'ils soient non plus trop collants, quoi, tu vois. Bah, faut juste au milieu. Ouais, ouais. Tu sais quoi? Si t'as toujours un doute, moi je serai toi. Je lui demanderai. Tu fais le test, tu lui demandes s'il aime les animaux. Bah oui, toi et moi, tu sais, on sait très bien que les gens qui aiment les animaux, généralement, c'est des bonnes personnes. Enfin, la plupart du temps, quoi. Mais en tout cas, pose-lui la question. Imagine, il te dit, ah non, je déteste les animaux. Bon, bah voilà. Ton choix sera vite fait, quoi. Attends, il arrive. Ah, c'était ta maman. Très proche de ta maman. Ah. Très proche de ta famille, ça c'est bien. Eh ben, il faut garder toujours un lien avec la famille, c'est primordial. T'es très 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 famille. Valérie aussi. Et sinon Ah, tu dois partir. D'accord, bon. Excuse-moi, j'espère que c'est pas moi qui t'ai posé trop de questions, tu sais. Non, c'est parce que... Faut que tu rentres chez toi pour ton cocker. D'accord. T'as un cocker et t'as peur? Il y a pas longtemps que tu l'as. D'accord. T'as peur qu'il se batte avec ton chat? Ok. Ah oh bah oui, non mais nous on comprend tout à fait. Bah, Valérie et moi, on adore les animaux, donc... Oui, bah écoute, y a pas de souci. Vas-y, vite, bah, on sait jamais, parce que les frais de vétérinaire, ça coûte cher, donc... Si jamais ils se battent... Ouais. On sait jamais, un mauvais coup de patte, et puis...
je suis ravie d'avoir fait ta connaissance en tout cas. Et puis, bah, tu repasses quand tu veux, hein, y a pas de soucis. Repasse avec Valérie à l'occasion. Oui, oui. Après le travail, et puis voilà, on se fera une petite bouffe. En même temps. Ok. Allez, ciao. À bientôt, et puis. Tu nous feras voir ton cocker la prochaine fois. D'accord. Allez, bon courage pour le travail. Salut. Bon ben voilà. T'as la réponse à ta question. Test validé. Tu te rends compte? Bon allez, vas-y, cours-lui après. Quoi? Écoute. Valérie. Tu vois, la vie. Mais enfin, je veux dire, tu vois la coupelle, ça fait des petites dents. Donc, t'as des hauts et t'as des bas. T'as des hauts et t'as des bas. Et ça se répète à l'infini comme ça, tout au long de ta vie. Des coups durs, des joies, des coups durs, des joies. Bref. T'as eu plein de coups durs. T'as été longtemps dans le creux de la vague, ok? Eh bien, si tu lui cours après, moi je te dis qu'il y a de fortes chances que vous montiez. Ensemble et ce sera pas difficile. Ah, je t'ai convaincu. Bon, bah alors dépêche-toi, cours-lui après. Et tu m'appelles demain pour me dire comment ça s'est passé. Ok. Ah, t'inquiète, pour les faire, c'est pas grave. Y'a pas de soucis. Allez, dépêche-toi, va vite. Je devrais avoir une agence matrimoniale.